Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous dire comment réduire drastiquement le coût de construction de votre maison en s'appuyant sur les matériaux de construction. Si vous choisissez les matériaux de construction de façon très judicieuse, vous jouez avec les curseurs, vous allez voir que vous allez réduire drastiquement le coût de construction de votre maison. Je vous prends un exemple. Ici, nous sommes sur un chantier. Alors, c'est un immeuble qui va se faire sur 4 étages ici. Ça va être l'un des plus grands immeubles de la zone ici, sur 4 étages. Ici, vous allez voir, c'est 4 étages que nous sommes en train de faire ici. Mais en réalité, le client nous a dit son budget. Et en fonction de son budget, on a fait ce qu'on appelle une formulation. Alors, la formulation, c'est quoi? C'est tout simplement des essais de composition du béton. Donc, comment on a composé les matériaux qui constituent le béton pour l'aider à réduire drastiquement le coût de construction de sa maison. Et c'est ce que je vais vous expliquer, vous également, dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre comment vous également, vous pouvez appliquer la même chose pour réduire le coût de construction de vos maisons. Alors, si vous venez d'arriver pour la première fois ici, je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre site VRA Immobilier. Là-bas, vous allez voir tous nos projets qui sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation comme ceux-là et d'autres qui vont être réalisés. C'est notre site internet. Rendez-vous sur ce site pour voir tous nos autres projets qu'on a conçus, qu'on a réalisés. Et également pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs en bâtiment. En fait, le 15 août, nous avons notre méga formation « Comment devenir entrepreneur en bâtiment ». C'est 100% en ligne, vous pouvez participer à cette session de formation, quel que soit votre pays. Donc, quel que soit là où vous êtes, dans la session précédente, on a eu des gens qui sont en Haïti, Réunion, Martinique, voilà, tous les pays, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, partout, Tchad. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Nous lançons une dernière session pour le mois d'août. Ça va être 3 mois. Donc, inscrivez-vous rapidement. On va démarrer le 15 août. On va fermer rapidement cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, comment optimiser le coût de construction en jouant rien que sur les matériaux de construction? Je ne parle même pas d'autre chose. Alors, il faut déjà savoir que quand on veut construire, quels sont les matériaux ou bien quels sont les éléments les plus importants ou bien quels sont les éléments qui vont vous absorber beaucoup d'argent. Dans le gros œuvre, ça va être du béton armé. Le béton armé, alors, une petite parenthèse, le béton armé, c'est quoi? Alors, le béton armé, je vais vous expliquer. Le béton, simple, parce qu'il y a le béton et puis il y a le béton armé. Le béton, c'est le ciment plus le sable, les granulats et puis de l'eau. Donc, si vous avez, en des termes très vulgaires que les gens entendent, hein, ça va être sable, ciment, eau et puis gravier. Ça, c'est en des termes. Ça, c'est le béton. Mais lorsqu'on dit béton armé, c'est lorsque le béton contient de l'armature. Ça, on appelle ça armature. Dans le langage du bâtiment, on appelle ça armature. Donc, le béton armature. Donc, le béton armé. C'est ce que ça veut dire. Mais ces bétons armés-là, vous pouvez jouer sur les matériaux de ce béton-là pour réduire le coût de construction. Le premier élément, si vous avez compris par exemple, les éléments que je vous ai cités là, comment seulement jouer sur ces différents éléments-là? Sur l'armature, sur les granulats, sur le ciment et sur le sable. Rien qu'en jouant plus de l'eau. Bien sûr, tous les éléments sont là. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Alors, je vous prends le cas, on va commencer par l'armature. Donc, on est dans les grosses œuvres. Comment jouer rien qu'avec les armatures? Alors, les armatures, il faut savoir qu'il y a deux manières, il y a deux rôles que les armatures jouent. Regardez, lorsqu'on est dans des poteaux, dans le domaine du bâtiment de façon générale, quand on est dans les poteaux, le béton armé travaille en compression. C'est-à-dire que le béton, ici, va recevoir des charges qui sont verticales. Donc, ça va être des charges ponctuelles. Donc, le béton va travailler en compression. Quand le béton travaille en compression, en réalité, qu'est-ce qui se passe? L'armature n'a pas un grand rôle à jouer. C'est le béton, pas le béton armé. C'est-à-dire que dans le béton armé, je vous ai dit, il y a la partie armée et puis il y a la partie béton. Donc, c'est le béton qui va travailler. L'armature ne travaille pas beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque nous sommes avec des poteaux, on a des armatures de faible diamètre. Parce que dans le cadre des charges compressées, des charges ponctuelles comme ça, l'armature n'a pas un grand rôle à jouer. L'armature est là pour réduire l'effet de flambage. C'est seulement son rôle dans le cadre des poteaux. Donc, on a optimisé, on peut réduire, on a fait des études avec l'expérience
que j'ai, parce que je suis passé également ici au CEREC, donc le laboratoire de matériaux de construction. Voilà pourquoi, avec mon expérience, je sais composer même des matériaux qui peuvent tenir. Donc l'armature, on a choisi des armatures qui peuvent être optimisées. Donc on fait quelque chose qui n'est pas très très costaud pour réduire déjà l'armature. C'est différent lorsqu'on est sur des poteaux. Regardez, quand on est sur des poteaux, en fait, quand on est plutôt sur les poutres, les poteaux, l'armature n'est pas très très important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Ce n'est pas très très important parce que c'est le béton seul qui travaille. Ici, en fait, quand on est sur des poutres, le béton, il travaille en flexion. Quand il travaille en flexion, c'est comme vous prenez, je vais prendre un cas très simple. Vous prenez deux, donc tu vas reculer un peu et je vais mettre quelque chose comme ça. Vous allez voir, si je mets quelque chose comme ça, regardez. On va dire c'est ça la poutre. La poutre travaille comme ça. Là, tu vois, voyez que la poutre, elle travaille. Quand elle travaille, en fait, quand cette poutre travaille comme ça, le béton n'est pas très sollicité. C'est plutôt l'armature. C'est le fer, en fait. On va dire que l'acier, c'est pas le fer, mais je le dis comme ça pour que vous voyez. C'est l'acier, l'armature qui va beaucoup travailler. Donc, dans ces cas-ci, lorsque c'est une poutre, c'est là seulement qu'on a besoin, c'est là seulement qu'on a besoin de renforcer l'armature. Sinon, dans ce niveau-là, le béton n'est pas très, très important. Donc, dans ces cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a... Parce qu'il n'y a que les deux... Et le troisième élément, c'est le troisième élément en béton armé, ça va être le plancher. Mais ici, comme vous voyez déjà, que ce soit dans les fondations et tout ça, là, je vais vous expliquer. Dans ces cas-ci, vous voyez vous-même déjà que lorsque on appuie comme ça, on a un effet de flexion. C'est-à-dire que c'est comme si on a un effet de cisaillement ici. Donc, dans ces cas-ci, il faut armer la partie basse pour que ça résiste. Lorsqu'on a un poteau, c'est différent. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre facilement pourquoi on choisit les matériaux d'une certaine manière. Parce que dans certains cas, le béton est important et dans d'autres cas, le béton n'est pas important. Dans certains cas, l'armature est importante. Dans certains cas, l'armature n'est pas importante. Si vous comprenez ça, vous pouvez jouer avec ça pour réduire drastiquement le coût de construction. Donc, vous allez voir maintenant pourquoi nous avons choisi certains matériaux ici. Regardez. Ça, c'est du sable. Ici, en fait, le sable, dans ce qu'on est en train de faire, c'est les sables de dunes. Au Sénégal, en fait, c'est ce qui est très souvent utilisé, les sables de dunes. Donc, il n'y a que ça au Sénégal. Donc, c'est ce que nous, on a utilisé ici. Mais de l'autre côté, vous allez voir, ici, les graviers, en fait, ça, c'est du silex. Ces silex-là est utilisé dans le cas de certains éléments en béton armé. Par exemple, lorsqu'on utilise, parce que juste ici, c'est le calcaire. Vous allez voir pourquoi on utilise les deux à la fois. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Si vous voyez, ça, c'est le calcaire et puis ça, c'est le silex. Dans certains cas où la résistance du béton est demandée, on utilise le silex. Dans certains cas, on utilise le calcaire. Ce sont des compositions comme ça qu'on fait pour réduire le coût de construction. Donc, si vous également, vous voulez construire en Afrique, il faut confier ça aux personnes qui maîtrisent ce qu'ils font. Voilà pourquoi je vous invite tout simplement à aller sur notre site VRA Immobilier. Si vous voulez vous également réaliser des projets en Afrique, nous, notre équipe est prête et est disposée à vous aider vous également avec certaines études, que ce soit sur le plan architecture ou bien le plan béton ou bien tout ce qui va être matériaux de construction, tout ce qui va être, voilà, pour vous aider vraiment à réduire les coûts de construction de vos maisons. Après, on a aussi d'autres techniques, hein. Par exemple, il y a les briques qu'on utilise également, d'autres stratégies, parce que là, ce sont des briques ourdies. En fait, ce n'est pas des ourdies, mais ce sont des briques à corps creux, en fait. C'est des briques creuses, mais là également, en fonction. Venez, je vais vous montrer les briques creuses. En fait, ça, c'est, on appelle ça les aglots à corps creux. Regardez, ça, c'est les aglots à corps creux. Aglots à corps creux. C'est différent. Dans certains pays, ça coûte un peu plus cher. Et dans d'autres, ça ne coûte pas très cher. Par exemple, dans le cas du Sénégal, ça ne coûte pas très cher. Mais dans d'autres pays, ça coûte cher. Et dans d'autres pays, il faut maintenant utiliser les BTC, les blocs de terre compressés. Par exemple, au Burkina, si tu utilises ça, ça te revient très cher.
Pour avoir fait des projets un peu partout en Afrique, je sais en fonction des pays, ce qui vous revient cher ou bien ce qui vous revient moins cher. Le tout, en fait, à la fin, c'est que vous puissiez trouver le juste milieu pour construire un bâtiment qui est fonctionnel, qui est beau et surtout qui est moins cher. Qui va vraiment, pas moins cher, mais assez optimisé quand même. Avoir le coût global qui ne va pas aussi vous coûter les yeux de la tête, quoi. Donc, les amis, abonnez-vous massivement. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de souci, je vais les aborder. Donc, allez-y tout simplement sur VRA Immobilier. Vous allez voir tous nos projets là-bas, tous nos contacts sont là-bas. Et prenez attache avec notre équipe et nos équipes un peu partout en Afrique pour vous aider, vous également, à réaliser vos projets immobiliers en Afrique. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.